not so far out of sight. Yeah, that sounds about right. Salut tout le monde, c'est Loïc, on se retrouve aujourd'hui pour écouter le nouvel album de Big Sean, I Decided. Donc Big Sean, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un artiste américain de Détroit. C'est un artiste qui s'est fait connaître il y a quelques années quand même déjà, par plusieurs mixtapes, notamment Finally Famous. Et il sort donc là maintenant son quatrième album. Il est signé actuellement chez Good Music, le label de Kanye West, qui est maintenant dirigé par Pusha T. Franchement, c'est un artiste que j'aime bien, j'ai eu du mal à apprécier vraiment ses débuts. Mais en fait, plus le temps passe et plus ses albums en fait montrent qu'il évolue artistiquement, que ce soit dans son flow, dans les choix d'instruments, etc. Et du coup, ça m'intéresse vraiment de savoir ce que ce nouvel album nous prépare. Donc, perdons pas de temps, ce coup directement à Decided, il y a 14 sons. C'est parti pour le son numéro 1, intro. I feel like I blew it with my family. Ok, donc en fait, cette intro, c'est déjà c'est pas Big Sean, on dirait un acteur en fait qui du coup parle vraiment pour faire une introduction. Et en fait, il parle du coup du fait qu'il se sent. En fait, donc je crois qu'il dit qu'il a 45 ans, si je comprends bien. Et il dit en fait qu'il se rend compte qu'il a en fait foiré sa vie, qu'il se dit que j'ai foiré ma vie, ma carrière. Il commence à faire un peu une rétrospective de sa vie en se disant putain, mais j'aurais pu avoir une vraie vie, une bonne vie, mais j'ai tout foutu en l'air. Et il me semble avoir vu dans une interview que Big Sean avait dit que c'était un peu le concept de cet album-là. On voit sur la cover de l'album, on voit deux Big Sean, et en fait c'est parce que il dit en gros que le principe de cet album-là, c'est quoi? C'est qu'est-ce que vous feriez si vous avez une seconde chance de refaire votre vie. Donc du coup, c'est un peu le thème de cet album-là. Intéressant. Numéro 2, Light featuring Jeremiah. Oh, city on fire. Boy, this the flow that got Steph Curry inspired. Hey. This the flow that got LeBron James finna rewire. Hey. This the flow that got my whole family finna retire. Take away your soul. No more rules. Alors déjà, ce son-là, c'est pas un son de rap classique, y a pas de rythmique, y a pas de 808, etc. Ce qui est assez bien, c'est intéressant, c'est un son léger qui parle de thèmes assez lourds, en fait, il parle de sa vie, il parle des problèmes qu'il a eu avant d'arriver à son succès, il parle des problèmes de discrimination, de racisme, etc. Et il parle du coup aussi donc des personnes qui l'ont inspiré à continuer à avancer. Et franchement, je trouve que la musique, elle est vraiment, vraiment jolie, vraiment bien foutue, en fait, la production, elle est vraiment jolie. Il n'y a pas d'éléments en trop, en fait, et la voix de Jeremiah est juste angélique, et c'est super, j'adore. Numéro 3, Bounce Back. Hey. 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 I bounce back like 2-3 deal with 4-5. Ok, pas mal du tout ce son là. En fait, il y a des sons de cet album là qui sont sortis en tant que single. Je les ai pas écoutés en fait tout simplement parce que je voulais pas me spoiler l'album. Et il me semble que Bounce Back fait partie de ces singles là. Donc le son est pas mal du tout, il est produit par Metro Boomin, le fameux Metro Boomin. J'ai bien aimé ce son là, ça parle vraiment de rebondir en fait. C'est vraiment Bounce Back, c'est le rebondir tout simplement. En gros, peu importe tes échecs, il faut toujours savoir rebondir. C'est pas mal, c'est pas exceptionnel, mais c'est pas mal. Numéro 4, No Favors featuring Eminem. Fuck all your comparisons. I've been talking to God like that's my therapist. I'm African American in America, ain't a hair shit, but a millionaire, 130, so he must be hearing shit. I saw them eyes like an ass raper. Try to copy my swag like a cheating classmate. I'll be the last face you see before you pass when you get your fucking ass graded like a math paper. Ok, pas mal du tout. J'aime bien l'instru qui est toute simple mais légèrement mélodique avec une grosse ambiance très très sombre. Le couplet Eminem, il était pas mal du tout. Ça montre vraiment qu'Eminem est toujours très très fort lyriquement. C'est pas un de mes rappeurs préférés, c'est pas pour moi un des meilleurs rappeurs actuels, je tiens à le dire. Eminem, c'est un très très bon rappeur. Attention, ça je le nie pas. J'ai bien aimé son passage sur ce son là, mais sans plus. Big Sean, j'ai beaucoup aimé en fait du coup que ce soit l'intro, vraiment le hook à son couplet. C'est vraiment vraiment stylé ce qu'il a fait. Dans son là, il parle vraiment du fait qu'il se sent que lui et Eminem en fait sont vraiment au top du rap game, notamment parce qu'en fait ils viennent tous les deux de Détroit et que malgré les personnes en fait qui disaient du mal d'eux, ils ont réussi là où personne en fait espérait les voir, et du coup ils sont plus hauts que beaucoup de haineux. Donc le son est pas mal, mais j'accroche pas plus que ça. Numéro 5, Jump Out The Window. Lourd. En fait, Big Sean dans son là, il parle d'une amie proche, en fait, qui avec qui il parle, en fait, enfin, avec qui
qui lui parle à lui. Et en fait, elle lui dit clairement que son copain est très très violent et qu'elle ne sait pas trop quoi faire. Big Sean fait tout pour l'aider, mais en fait, elle ne veut pas tellement en fait, de son aide, parce qu'elle a peur de ce que lui peut faire. C'est juste un sujet hyper ouf, dont très peu en parlent, la violence conjugale, et franchement, c'est très très bien exprimé dans ce son-là. Très très stylé. Numéro 6, Moves. Back move, damn, she made the titties move. Hey! I made the city move, I made the city move. I got the making moves like Tarantino, like JJ Abrams, moving like Shannon Tatum, moving like Jason Statham. Hey! Ok, pas mal du tout ce son-là, c'est un son vraiment ego trip. Pas mal du tout, j'ai bien la prod de Hello It Mafia. Le son, il est pas exceptionnel, mais j'aime bien en fait le petit bounce, en fait, vraiment l'ambiance, le rythme que ça a, c'est pas mal du tout. Numéro 7, Same Time Part 1, featuring 2088, qui est en fait le groupe de lui et Generico. Ok, celui-là il est stylé. Bon, en fait, tout le monde sait, du moins toutes les personnes qui s'y intéressent, tout le monde sait que Big Sean sort avec Generico. Et que Generico et Big Sean font partie d'un groupe qui s'appelle 2088. Et en fait, dans ce son-là, il parle du coup du fait qu'ils soient tellement sur la même longueur d'onde, qu'ils font les choses en même temps, qu'ils pensent limite les mêmes choses. C'est pas mal du tout comme son, c'est très très court, c'est une sorte d'interlude. C'est pas mal du tout, j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, on sent que l'alchimie qu'il y a entre eux musicalement, c'est juste incroyable. Franchement, j'ai bien aimé. Numéro 8, Homie. Wouah, ce son là il est stylé. En fait, dans son là, Big Sean il parle de quoi? Il parle en fait d'une fille qui a été dans sa vie, en fait, une copine, j'imagine, ou alors même une simple femme en fait qu'il connaissait, qui était en fait tout simplement juste infernale, dans le sens où en fait tout ce qu'elle faisait dans sa vie à Big Sean l'attirait vers le fond, le rendait plus mal que mal. C'était juste infernal pour lui. Et donc en fait il a réussi à la retirer de sa vie. Donc, du coup il parle du mal qu'elle lui a fait mine de rien. Mais plus le son avance en fait, plus il se rend compte que malgré en fait la vie de ses amis, etc., il essaie en fait de se remettre avec elle. Parce que même si quelque part il la détestait par rapport à ce qu'elle a fait, il l'aimait pour quelques petites raisons. Par exemple, je trouve que c'est un super thème, c'est bien écrit, le son il est stylé. Franchement, j'aime bien. Numéro 9, Halfway Off the Balcony. Halfway off the balcony, overthinking, cause my job is way more than a salary. Everything around me go like I just practiced alchemy. I realize when it comes to girls that chemistry means way more than anatomy. Ok. Selon en fait, il parle de quoi? Selon là, il parle des choses importantes dans la vie. Le titre, en fait, il fait un petit peu référence aux gens qui veulent se suicider. Donc, en fait, là, il dit en fait clairement qu'il est à la moitié du balcon. Donc, en fait, on pourrait s'imaginer qu'il est prêt à sauter et en finir. Et en fait, du coup, ce titre-là, c'est quoi? C'est en fait, en gros, tu profites pas assez de la chose de la vie. Le travail, c'est pas que pour l'argent. Les relations, c'est pas que pour le sexe, etc. C'est vraiment des sujets abordés très, très intéressants. Et honnêtement, je trouve que c'est bien abordé et que... Franchement, il rappe bien. Il rappe bien. Franchement, le son, il est stylé. Numéro 10, Voices in My Head, Stick to the Plan. This was supposed to be the last time, last hit, last call, last feel, last trip, last ride. You in my way, bitch, just no sympathy. I've been flying this since elementary. Wow. You need to buckle down. And people ask you where you at, wondering why you never wanna come around. You know that effort gonna come around. Alors en fait, ce son-là, du coup, il est divisé en deux parties, comme vous avez pu le constater. La première partie, en fait, c'est Voices in My Head. En fait, c'est la conscience de Big Sean. Il dit en fait, c'est on est tous comme ça. Je pense qu'on est tous comme ça. En fait, on a tous cette conscience, en fait, qui nous dit c'est bien ce que tu fais, mais tu pourrais faire mieux. Et ça, on nous le dit depuis toujours. Même à l'école, on nous le disait. C'est bien, mais tu peux faire mieux. Et en fait, c'est vraiment le premier thème de ce son-là. C'est la conscience de Big Sean qui lui dit ta vie, elle est bien, mais tu pourrais faire mieux. Et donc, du coup, qui lui met une pression énorme en lui disant tu peux faire beaucoup mieux, c'est rien, ce que t'as là, c'est absolument rien, tu peux faire beaucoup mieux. Et en fait, donc, du coup, qu'il l'enferme dans une boîte en lui disant tu fais des trucs bien, mais c'est pas suffisant. Le deuxième son, deuxième partie du son, Stick to the Plan, c'est en fait vraiment c'est la volonté, tout simplement, en fait, la volonté de Big Sean qui lui dit clairement écoute, tu t'en fous de ta conscience, fais tout simplement ce que tu veux faire, tu t'en bats les couilles, vis, kiffe. Franchement,
stylé. Numéro 11, Sunday Morning Jetpack featuring The Dream. Sunday with grandma in the kitchen making rum cake. What is bread she used to do for Thanksgiving, man? This was like the first time I heard Killer Cam. Pink Tim's in the land, mixing it with Dilla and. Oh, c'est stylé. Franchement, ce son-là, il est très très stylé. C'est vraiment pas le genre de son en fait, que je m'attendais. En fait, j'ai l'impression vraiment que cet album-là, c'est vraiment l'album de la maturité de Big Sean. Je pensais que Dark Sky Paradise était le cas, mais celui-là, non, vraiment, celui-là, ça montre vraiment que c'est un album dans lequel Big Sean est vraiment plus mature. En fait, ce son-là, il s'appelle Sunday Morning Jetpack. En fait, Sunday Morning, comme la tradition le veut, c'est les repas de famille. Et en fait, du coup, il parle de ce son-là, tous ses souvenirs d'enfance, tous ces moments qu'il a passé avec sa grand-mère, avec sa famille, etc., etc. Et en fait, il se rappelle tous ces moments heureux. Malgré en fait toute la galère que ses parents avaient avec l'argent, etc., etc., etc. Et donc Jetpack, en fait, ça fait référence du coup au fait qu'il a envie de s'envoler, qu'il a envie de, en fait, ramener du bonheur, en fait, à sa famille qui était en fait, malgré le fait qu'il vivait bien, et ben en fait, qui était en fait simplement malheureuse, mine de rien. Et donc du coup, j'ai vraiment beaucoup aimé ce son-là. C'est vraiment très joli en fait la façon dont il rappe, la façon dont il parle de son, la fête de son enfance. C'est vraiment stylé. Et The Dream, sa voix magnifique. Ça me fait tellement plaisir faut de l'entendre dans un son comme ça. The Dream, j'en ai parlé récemment avec une amie. Si vous ne connaissez pas, et c'est fort possible que vous ne connaissez pas, The Dream, simplement l'artiste qui a écrit ou co-écrit quasiment tous les plus gros hits R&B de 2005 à aujourd'hui. Vous ne croyez pas? Je vais vous citer quelques sons. Il a écrit Baby de Justin Bieber. Il a écrit Umbrella de Rihanna. Il a écrit Single Ladies de Beyoncé. Il a écrit Gangsta Love de Snoop Dogg. Il a écrit Digital Girl de Jamie Foxx. Ou encore Touch My Body de Mariah Carey. Donc voilà. Ça, c'est juste quelques titres qu'il a écrits, et vous, si vous connaissez ces titres-là, vous savez à quel point c'est des gros titres qui ont eu un gros succès. Et donc, du coup, The Dream, ça me fait tellement plaisir de le voir sur un son comme ça, parce que c'est un super artiste qui, malheureusement, n'a pas, en fait, eu le succès, qui n'est même, en fait, pas simplement certifié, qui n'est pas, en fait, on va dire, autant de buzz que les artistes pour lesquels il écrit. Franchement, le son, pas mal du tout. Numéro 12, Inspire Me. You try to keep me away from temptations. Introduce me to the temptations. Marvin Gaye, Ozzy Brothers dancing so hard to live a room shake. But take care of your mama. You the one, you the one, you the one. J'adore les sons comme ça. Son là, c'est juste un joli son. C'est un son en fait simplement dans lequel Big Sean parle de sa mère, il remercie sa mère, il dit clairement à sa mère qu'il l'aime de tout son cœur et qu'il la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour lui et qu'il est prêt à faire tout ce qui existe au monde, tout ce qui est possible pour la rendre heureuse et pour lui faire plaisir. C'est juste un très très joli son. Ça me rappelle un peu le Hey Mama de Kanye West, un peu le Dear Mama de Tupac. En fait, les artistes qui écrivent ce genre de son là, c'est vraiment un truc très très personnel et c'est juste magnifique quoi. Franchement, j'adore. Numéro 13, Sacrifices featuring Migos. Lourd, lourd. Franchement, Migos commence vraiment à kiffer de plus en plus. Hein. C'est contagieux. Franchement, ce son-là est pas mal du tout. J'ai bien aimé le délire. J'ai beaucoup aimé la prod de Metro Boomin avec une sorte de harpicord. Je sais pas qu'on appelle ce putain d'instrument de musique qu'on dirait un piano, mais un piano de la Renaissance. Je sais pas, mais très belle prod. Franchement, lourd le son. Je trouve qu'il est stylé. Du coup, en fait, ça parle des sacrifices que eux, en tant qu'artistes, ont fait dans leur passé pour vraiment atteindre ce succès qu'ils ont aujourd'hui. Ne sont pas mal du tout. Et on finit avec le numéro 14, Bigger Than Me, featuring The Flint, Chosen Core et Stara. C'est stylé! Lourd ce son-là. Alors dans ce son-là, en fait, encore une fois, Big Sean, il parle de quoi? Il parle du fait que il a fait des choses mauvaises par le passé, ou alors il n'a pas fait les bonnes choses par le passé, et en fait, du coup, il s'en veut, et que même si aujourd'hui, il sent qu'il c'est un homme changé, en fait, il veut continuer à s'améliorer, et continuer, en fait, à répandre de bien autour de lui, auprès de sa famille, auprès des gens qu'il aime, etc. C'est un super son, la chorale de Flint, Chosen Core, magnifique, franchement, à la fin de la musique, c'est vraiment juste magnifique. Et du coup, à la fin de la musique, on entend une discussion entre Myra Anderson, qui est donc en fait la mère de Big Sean, et donc du coup, dans laquelle elle, sa mère, lui dit, écoute, c'est pas grave si t'es pas parfait, tu es mon fils, je t'aime quand même, je t'aime comme tu es, c'est bien que tu veux t'améliorer, et du coup, que tu veux répandre la joie et répandre le bonheur autour de toi, je t'admire pour ça. Je t'aime mon fils. C'est une super musique pour clore ce putain de projet.
Franchement, j'ai adoré. Bref, c'est donc ma première écoute de I Decided de Big Sean. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Big Sean, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un artiste que je suis depuis ses débuts, d'accord? Et franchement, c'est juste époustouflant l'évolution qu'il a pu avoir. On va dire en fait l'album qui m'a fait vraiment changer d'avis sur Big Sean, c'était Hall of Fame. Hall of Fame, c'est en fait l'album où en fait j'ai vu que Big Sean, c'est pas juste un rappeur, mais en fait c'est aussi qu'il avait une vision. Et cette vision, du coup, elle devenait de plus en plus artistique. Il commençait vraiment à travailler en fait vraiment son image, pas seulement en tant qu'artiste, mais aussi en tant que rappeur, en changeant du coup, en trouvant de très bonnes instrus, des instrus un peu vraiment qui collent à son style, etc. Améliorer son flow, améliorer son débit, améliorer ses punchlines, améliorer ses références, améliorer les histoires qu'il compte. Et franchement, on le voit du coup avec I Decided, où vraiment c'est une part de sa vie, comme en fait, comme l'intro l'indique, en fait, c'est vraiment un album sur lequel il, repense à sa vie, repense à tout ce qu'il a vécu. Et c'est juste incroyable quoi, c'est bien écrit, les prods sont bien faites, les featuring sont bien choisis, l'album est très très bon, c'est pas un album exceptionnel non plus, franchement moi je trouve pas ahurissant non plus, je trouve que c'est un très très bon projet de hip hop US, honnêtement je pense que c'est le meilleur projet, du moins le plus abouti de Big Sean, de sa discographie, c'est un très très bon album, franchement, si j'aurais lui donner une note ce serait un 7 sur 10, c'est un très très bon projet que je vous invite fortement à écouter, donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description de la vidéo pour du coup l'écouter en ligne ou alors l'acheter. C'est vraiment un super projet. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires vous les sons que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo, partager la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle écoute. Ciao.